Bonjour à tous, une petite vidéo pour le concours qui continue. Donc aujourd'hui, vous avez la possibilité de gagner un lot offert par Ludivine Arco-Iricien. Alors, ce concours, pour pouvoir y participer sur YouTube, il faut être abonné à ma chaîne et mettre un commentaire sous cette vidéo. Et si vous voulez participer sur Instagram, je vous laisse aller voir sur Instagram. Alors, pourquoi est-ce que j'ai contacté Ludivine pour ce concours? Eh bien, faut savoir que moi, Ludivine, je l'ai découverte au début. Alors, c'est pas à son tout début, mais je l'ai découverte au début. Je me souviens d'une fois où elle allait faire un update, en fait, de sa boutique Etsy. Et j'avais très, très envie d'acheter de Célène. Et je sais plus pourquoi. J'avais dû les voir. Je sais plus. Mais je la suivais sur Instagram en tout cas et j'avais très envie du coup d'acheter ses lettres. Donc je m'étais mis un petit rappel sur mon téléphone pour surtout pas oublier. Et donc mon rappel il a sonné quelques minutes avant la mise à jour de la boutique Etsy. Je me suis précipitée dessus. En plus c'était un soir où on allait manger chez des amis. Donc vraiment je me suis dépêchée et tout. Et puis je cherchais, je voulais un certain, enfin au final je sais plus si j'avais ça en tête ou pas. Mais je voulais un certain coloris que j'ai pas trouvé. Donc je lui ai fait une commande personnalisée. Et c'était la couleur Dark Matter qui est sur mon Winterfell cardigan. Et c'est un gilet que je porte énormément. Voilà, donc c'est comme ça que j'ai découvert la marque Arco-Iris Yarn. Et puis après, j'ai rencontré Ludivine qui est venue à plusieurs tricoter. Et puis je l'ai vue lors des salons, etc. Et voilà, je suis très contente de la connaître. J'aime beaucoup son travail sur les couleurs. J'aime beaucoup ce qu'elle fait. J'aime beaucoup la variété de couleurs qu'elle propose. Là, j'ai vu son stand à Malakoff et son stand au fil de la Manche. C'était des très beaux stands avec une grande variété de couleurs. Enfin, vraiment, voilà, j'aime beaucoup comme je dis, son travail sur les couleurs pleines, son travail sur les couleurs à speckle, vraiment. Je pense notamment au coloris Hagrid que j'ai tricoté en tant que sample knitter pour elle. Le coloris Dark Matter, elle a la couleur Antoinette. C'est une couleur magique, je vous l'ai déjà dit, je l'ai utilisée deux fois dans des châles, c'est une couleur magique, elle va avec tout. Si vous avez cette couleur dans votre stash, sachez que vous pourrez faire n'importe quel châle à deux couleurs, ça va avec tout. Voilà. Donc j'aime ses couleurs et puis j'aime la personne. Donc je suis très très contente qu'elle ait accepté de participer. Et donc elle vous propose, donc je vous mets une photo du lot qu'elle vous propose. Ce sont trois échevaux qui vont très très bien ensemble. Voilà, ce sont trois échevaux en single aux couleurs vraiment assorties. Donc voilà, j'espère que ça vous plaira et puis je vous dis à bientôt pour un autre concours.